Bonjour à tous. À propos de texte dans GeoGebra. Si le texte paraît trop petit, alors on peut l'agrandir par option, clic, taille des caractères. Je choisis par exemple 18, clic et hop, c'est fait. Lors d'une présentation comme celle-ci, je trouve fort gênant que les quick infos apparaissent toujours aussi vite. On peut éviter cela en allant sur Options, clic, Avancer, clic. On va sur cette page-là, Préférences, et on active Afficher l'aide de la barre des outils. Clic. Je ferme la fenêtre. Testons. Les quick infos n'apparaissent plus aussi vite. Si un tel texte qui a été introduit par l'instruction texte bouge lorsque on tire la page ou bien on scrolle, ce n'est pas idéal. Ça s'est arrivé dans mon tutoriel GeoGebra 005. Pour éviter ça, on clique sur le texte à droite, clic, et on clique sur position absolue sur l'écran. Clic. Maintenant, je tire encore une fois et je constate avec grande joie que le titre du tutoriel reste bien là où il doit être. Dans GeoGebra, on sait aussi introduire des formules. Pour cela, on va sur texte, clic, on clique quelque part sur la page, clic, et dans la fenêtre qui s'ouvre, on va activer formule latex. Clic, voilà, c'est activé. Introduisons par exemple l'intégrale circulaire. Pour cela, clique sur la petite flèche, clic. Nous allons choisir là-dedans le symbole pour intégrale, clic. Dans cette fenêtre-ci, nous voyons comment ça va apparaître quand on aura fini la formule. Ici, on change les bornes d'intégration, donc le petit a devient 0, le petit b devient grand R, et entre ces deux accolades-là, je clique, c'est là que nous allons mettre la racine carrée. Donc, nous choisissons dans racine et fraction la racine carrée, clique, et comme radicand, on ne met pas x, mais R au carré moins X au carré. Derrière cette racine, nous allons mettre le DX. Et derrière l'intégrale, nous mettons le signe d'égalité. Maintenant, la fraction pi R carré quart. Donc, nous choisissons d'abord la fraction, clic. Le numérateur doit être pi R carré. Donc, pour taper le pi, on peut faire ça par Alt P. Donc, je pousse sur Alt, je tape le P, voilà le pi. Maintenant, R carré. Et le dénominateur petit b, ça va être le 4. Voilà la formule, comment elle va apparaître. Je clique sur OK. Et là, voilà notre formule. Bien sûr, on peut l'agrandir, par exemple, par clic à droite, propriété, texte, au lieu de taille petite, prenons par exemple grande, je ferme la fenêtre et voilà notre formule. Maintenant, nous allons voir ce qu'est un texte dynamique. Pour cela, je vais créer un curseur A, le voilà déjà, et maintenant dans la saisie, je vais mettre ceci. Entre guillemets, je vais mettre un texte statique, c'est-à-dire un texte qui ne changera pas. Donc, je mets guillemets, je mets par exemple la valeur de A est un espace, je ferme les guillemets. Maintenant, je vais taper un texte dynamique, c'est-à-dire un texte dont la valeur, dont le contenu va changer. Et la conjonction entre un texte statique et un texte dynamique, c'est le signe plus. Donc maintenant, je tape le plus
Et le texte dynamique, ça sera le nombre A, dont la valeur peut être changée par ce curseur. Donc maintenant, je tape sur Enter, et le voilà, le texte que je viens d'introduire. Je vais le rendre un peu plus grand, clic à droite, propriété, pour texte, ici, je prends par exemple grande, je ferme cette fenêtre, et regardez maintenant la différence entre texte statique et texte dynamique. Le texte statique, la valeur de A est, va rester, mais le texte dynamique, ce 1 là, il va changer dès que je modifie la valeur de A. Voilà donc le thème texte dans GeoGebra. Comme tâche correspondante, je vous propose de préparer cette présentation-ci, la détermination du nombre E à partir de cette limite-là. Regardez. Je vous souhaite bon amusement.